Bonjour, et c'est surprenant donc, que je lance un appel pour aider et accompagner le développement d'une autre institution que le consistoire. Et la réalité, c'est que l'institution de la République universelle n'est pas vraiment une autre institution que le consistoire. D'abord parce que historiquement, les personnes aussi éminentes que Adolphe Crémieux ont participé à l'émergence de l'institution qui est l'Alliance de la République universelle, tout comme la pérennité de ce qu'est le consistoire. Et puis, c'est un de mes regrets, le consistoire n'a aidé à émerger qu'une seule école, l'école juive de Montrouge. Il me plaît de saluer la mémoire du rabbin Yaakov Merguez qui a eu le courage de se lancer dans ce développement. Et puis, le consistoire a considéré qu'il fallait se centrer sur les synagogues, alors que, au fond, l'école, c'est la base même de ce qu'est le judaïsme. Et en fait, l'Alliance universelle pourrait être le réseau scolaire du consistoire, c'est-à-dire ouvert à tous, tourné vers une grande action citoyenne, et en même temps avec des valeurs profondes juives. La devise du consistoire, c'est religion et patrie. La devise théorique de l'Alliance israélite universelle, c'est ancrer dans une terre un savoir français, puisque c'est avec l'Alliance israélite universelle que le français a essaimé partout dans les pays du pourtour méditerranéen, tout au long de l'histoire de l'Alliance. Et puis un judaïsme authentique, fort, juste, engagé dans le futur. Tourné également vers Israël, puisqu'une partie des activités se font en Israël. Et je trouve que en aidant le réseau scolaire de l'Alliance, et en particulier l'école Rachi, je ne le dis pas parce que les enfants y ont fait leur scolarité, mais parce que le nom même de Rachi dit tout de l'attachement de l'Alliance à ce qu'est la France, puisque Rachi est peut-être le plus grand auteur français, celui qui a permis de comprendre et la Bible et le Talmud. C'est-à-dire que partout dans le monde, les Juifs étudiant la Torah et étudiant le Talmud le comprennent à travers le prisme de Rachi, le prisme d'un rabbin français. Et donc l'Alliance israélite porte toutes ces valeurs qui sont convergentes avec nos valeurs consistorales, les valeurs du judaïsme français. Voilà pourquoi je crois qu'on a tous la responsabilité de pérenniser le réseau scolaire de l'Alliance, de l'aider à se développer et à affronter surtout ce grand tournant du numérique, qui n'est pas une autre façon de penser le lien avec l'enseignement, mais qui est la façon adaptée. Ce que dit Talmud, Divra Torah Kelashon Ben Adam, la Torah a parlé la langue de chaque époque, de chaque personne, la langue de l'époque aujourd'hui, c'est le numérique. Eh bien, il faut aider l'Alliance à prendre ce tournant numérique pour qu'elle reste toujours fidèle à elle-même.